rester au frigo. Comme la coco, elle a tout bu avant que je puisse boire. On va faire un jus de mangue passion avec de la mangue. Je sais pas si elle est bien mûre la mangue. Mais attends, on va réussir à boire ou quoi là? On va crever de soif, ça continue là. Elle est pas super mûre la mangue. Mais c'est pas grave. Il y a en fait. Hier j'ai ouvert les fruits de la passion. Oui. Et j'ai filtré pour enlever les graines. Et donc on a du pur. Du coup il y a la pulpe. La pure pulpe de jus de maracuja là, ça c'est trop bon. Et là du coup on va mettre de la mangue dedans. Ouais, et tu vas mixer le tout. Et je vais mixer le tout, je vais rajouter un petit peu de. D'eau. Un petit peu d'eau et des glaçons. Et ça va nous faire un granit passion mangue. Trop bon. Je pense que ça devrait être pas mal. J'ai soif. Oui, ça vient. Elle a du goût. Hop. Regardez bien comment on fait. Hop. Comme ça. En quadrille. En quadrille. Et là. Waouh, c'est trop beau. Ben là, je mets la mangue. On a coupé en petits bouts. Comme ça. Là. Le fruit de la passion que je vais couper un peu parce que c'est congelé. C'est le dessus, non? Non, c'est pas. En fait, ça c'est bien de faire la pulpe parce qu'en fait, les fruits de la passion, il n'y en a pas toute l'année, tout le temps. Du coup, c'est bien d'en acheter et puis de congeler la pulpe. Donc, le fruit de la passion, c'est le maracuja. Voilà. Et voilà. La pomme d'âne ici. La pomme d'âne aussi. Comme ça. Je rajoute un petit peu de sucre parce que sinon, ça risque d'être un peu acide. Voilà. Un peu d'eau. Ceci. Et là on va mettre à mixer et puis on va rajouter des glaçons après. Voilà, enfin, on a ça. Putain, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop frais, c'est trop bon. Il n'y a rien de chimique, que du naturel. Peut-être un peu de pesticides.